Et dernier décret loi que autorité haïtienne ou du moins exécutif là est publié dans le Moniteur, eh bien, il crée en pile et confusion dans la population haïtienne. Côté exécutif là, lui-même demandait à tout le monde qui t'a subi une opération ou t'a fait un changement de sexe, eh bien, il boyon de l'air environ 2 mois, si je ne me pas trompé, pour capable aller dans l'ONU, pour être capable de faire changement de sexe là pour eux-mêmes. Ça qui fait comprendre, ou du moins si mais une confusion, est-ce que l'exécutif là, lui-même, a légalisé question de ma divina, ou du moins ça, ma sissia en Haïti, si, et officiellement, l'État haïtien lui-même, a reconnaît question de ma sissi, ma divine en Haïti. Débat, c'est là lui-même, lui centré, je vous dis, et ça fait nous pour le permettre ou capable de plus connaissance ensemble avec de créer loi ça que le président Jovenel Moïse lui-même lui fait publier dans le Moniteur qui ça qui gagne la donne et puis toute réaction qui gagne sous thème ça tout le monde dans la vie nationale là qui réagit sous lui eh bien on prend une chance pour capable suivre lui et ensemble avec nous parce que nous même nous là pour nous capable informer sur tout ça qui a passé en Haïti en suivant toute réaction et détails sur des créer ça qui crée en pile et confusion dans la société haïtienne. Que texte ça, son texte qui pas clair, son texte qui pas précis. Depuis l'article 2.2, côté après, monsieur dame qui a écrit texte là, il a dit mais comment déclaration, mais qui sa déclaration de naissance là doit gagner. Il n'y a pas de nom, il n'y a pas de prénom, il n'y a pas de numéro, d'immatriculation, maman, mais là où est son papa, il a dit s'il y a, s'il y a. Par contre, ça veut dire, c'est-à-dire, si mon nom qui a fait son papa. Dans l'article 9.11, encore, je répète, ça veut dire, la redondance au droit, ça ne fait qu'accentuer, ça veut dire. Je répète, dans l'article 9.11, dans l'article 11, encore, je dis, papa encore signé. Ça veut dire qu'on véléité ferme de la part des autorités de l'État pour effacer question papa, pour nous comprendre que papa va des responsabilités encore. Avec texte. Ok. Est-ce que pas des monde qui ou fille qui enceinte, qui compte pas contre papa petite là, et parfois papa prend responsabilité? Non. Question ça résout avec loi sur la paternité, la maternité responsable. Que monde qui féministe en Haïti accepte un pile marché à travers la République là pour te mobiliser monde. Petite parfaite son papa. Claire, on dit que à travers texte, gouvernement t'a voulu légaliser l'homosexualité. C'est pas t'a voulu, c'est fait. Là, il aurait été ferme à conviction parce que tout le monde connaît la velléité qui a été gagnée dans son plan pour légaliser cette pratique de vie en Haïti et au fait à travers l'article 5, deuxième paragraphe là. C'est clair. Allez sur Wikipédia pour ouais, ça crée les changements morphologiques. Et moi-même, je travaille sur le code pénal et le code de procédure pénale là pendant 3 ans. Il y a une autre question que t'as poursuivre à travers le code pénal là, c'est permettre que mon yo qui est sacré la sécurité publique. Je dis à là, il y a des pays qui acceptent l'eugénisme. L'eugénisme, c'est lorsque mon yo choisit changer pomme d'oreille, changer pomme nîmes, changer pomme d'huile. Dans certains pays qui avancent, qui ont une structure qui a contrôlé ça, ils ont interdit l'eugénisme. Ils ont interdit le clonage. Parce que si mes taillons sont des points capables à nuit, c'est ça que les sécurités. Dans le cas où mon visage a transformé, sans que par un changement de sexe qui fait, on t'a perdu aux yeux, on dit c'est pas même mon. Quel changement morphologique qui n'est pas obligé sexuel. Par exemple, il y a un monde qui était deux bras, il était fait empreinte digitale pour lui, par exemple, et puis il est arrivé dans sa vie, il a vu amputé. C'est un changement qui fait. Ouais. Et c'est ça que fait me dire, loi manque les classes. 27 ans, il voulait faire une référence à un texte, à une autre loi. Loi, c'est quoi le pénal là. Il dit, si vous posez tel acte, vous ne pouvez pas déclarer un petit monde qui fait devant, vous êtes sanctionné suivant les prescrits de l'article 108 du code pénal. C'est quel code pénal parle-t-on? Code pénal actuel, là, qui est en vigueur, là, 1835 ans, c'est 433 ans. On est que pour référence à l'article 1810, que moi, qu'on est code pénal, ça va gagner 1008 articles, on pouvait regarder le travail que j'ai fait pendant notre Sénat, sur le nouveau code pénal, là. Et c'est là, je regarder, moi, l'article 1008, je parle, là, c'est sanction pour si on moune ta ouais on ti moune fait ou donc on ti moune là ou pas déclaré par autorité yo, il n'y a pas une sanction de contravention. Maintenant, là encore, ou pas qu'à faire référence à un texte qui va exister en matière législative et en matière logistique,
texte, vous savez, M. Liméry dit, il a été adopté avec 43 autres textes qui ont souffert dans le Parlement. Mais écoutez, la loi, beaucoup de lois, beaucoup opposables aux Haïtiens et Haïtiens en Haïti, si elle n'est pas publiée dans le journal Le Moniteur. Toujours dans le cadre de ces cinq, il y a un coordonnateur, Conan Edouard Poltre, qui est lui-même n'est pas d'accord avec la publication des crèches, les simili impossibles pour la population et 4 jours avant expiration de les 120 juin. M. Poltre dit que c'est un pape privé obéi avec le chef de l'État pour parler de nécessité pour le chef de l'État quand même un consensus politique sur la question. On écoute la déclaration Edouard Poltre. Nous avons une consultation, nous connaissons qu'on rapport sur le malheur. Déjà, nous avons montré l'inégalité qui vient dans le dialogue là, parce que pas de loi qui était soutenue. Il y a peu opéré dans le pays d'Haïti en toute inégalité. Nous avons fait comprendre que oui, ce besoin qu'on bagaille sérieux pour identifier les citoyens, c'est pour commencer à la base. Que vous commencez, mettez sous pied tout officier d'état civil tout partout dans le pays. C'est pour informatiser le système, pour moderniser le système, pour automatiser les. C'est bagaille sérieux qui a fait vous comprendre que vous bagaille sérieux à faire, mais je vais faire. Et bien, pour quand des malheurs existent, c'est directeur qui va l'occuper ou non, moins problème économique qui vient dans le pays. Problème corona qui vient dans le pays, qui vont exposer des lieux pour aller faire quand des malheurs dans 120 jours. Ah, mes amis, c'est son jouet, il n'est pas applicable, et puis ça me t'a suivi, président Jovenel Moïse, parce que il n'est pas capable de son président. On connaît le président très souvent, de notre Côte d'Ivoire, il n'y a pas comme ça qui va passer sous côté, il n'y a pas comme ça qui va passer à côté. Le président, il faut le défendre, il mettait pied la terre pour comprendre que quand pour aller risquer de façon unilatérale, ça veut dire lui-même pour compter la fête, c'est pour voilier la façon de Sénat Kassa, Kassa, les citoyens, pas de critique ça, il n'y a pas de fait. Et si le président Jovenel Moïse besoin fait véritablement un corps électoral, c'est pour chercher un consensus politique pour les capables de faire un enregistrement électoral convenablement. Si il va faire lui, c'est exposer qu'il y a à encore une fois de véritables tumultes politiques, sociales. Directeur collectif Défenseur Plus là, Anton Almantimé, dit la suivre avec un pile attention et Zach exécutif là a imposé yo n'a continué à multiplier divers décrets pendant le fait qu'on n'ait pas gagné une consultation citoyenne qui était faite sous et Zach Sylvain dans le cadre d'une discussion entre divers secteurs. D'après sa militant, toi Mouna qui est chargé de gagner en particulier sur ça qui gagne avec quatre identifications nationales uniques là. On a écouté Anton Almantimé. Au niveau Défenseur Plus, nous assistons avec un pile d'attention, un pile décret qui a sorti dans le palais national ou bien dans l'exécutif là, pour Green Labli. Et nous remarquons en absence de consultation citoyenne sous ensemble de décrets SAO qui, en attendant qu'on parlement, il y a une fausse loi. Et certains décrets, il y a carrément institué de nouvelles taxes sur la population hein, ou bien des nouvelles sanctions, de punition même, ou bien des peines, si nous arrivons comme ça. Nous pensons, exécutif là, en absence du Parlement, d'être doué consulter l'autre pouvoir dans l'État, ou bien l'autre entité dans l'État qui parle au gouvernement, et consulter toute organisation sociale, une organisation qui est active dans la société civile là, qui est liée justement avec le décret ça. Maintenant, par rapport avec le décret qui créait 4 identifications nationales uniques, et numéro identité nationale unique, encore une fois, nous pensons décret ça, déduire une consultation par rapport avec nous qui travaillons dans le domaine. Ce n'est pas dans la radio pour nous entendre des décrets. Il y a des fois une consultation qui est faite avant même de faire et les capables plus facile pour l'entrée en application. Donc là, je pense qu'il y a 120 jours pour tout le monde gagner 4 identifications nationales uniques là. Et 120 jours à passer, mon fond Baptiste, mon fond Verret, mon Cronillon Grand Bois qui est dans l'ouest là, il n'y a pas qu'on ait X décret parce que justement, il faut décision
gouvernement prend, yo pas prend yo dans transparence, yo pas prend yo dans dynamique participative, yo pas prend dans dynamique communicationnelle et qui fait yo qui doute même sous bonne foi autorité yo dans prendre des décisions comme ça. Et c'est ça pour nous-mêmes, c'est comme si les fait officier d'état civil yo tourner des sept employés Office national d'identification. Pour moi, c'était gagné en harmonisation entre divers textes des lois et des consultations. Donc nous avons sorti des plus bons textes qui sont capables de bénéficier pour la population. Et puis nous pensons d'être là, peut-être pas réaliste. Oui, pas réaliste, c'est très difficile de connaître les gens institutions de l'État où fonctionner là avec mes moyens. Il y a parlé de 4 mois pour tout le monde qui a 4 mois. Nous pas penser que c'est intéressant. Il est intéressant, effectivement, qu'on numéro unique. Mais il faut que ça fait dans le respect nomio et puis dans le respect principe démocratique qui est la participation citoyenne. Coordonnateur organisation citoyenne pour l'autre Haïti, Camille Oxius, et qui était lui-même amené en action à justice pour être capable de rendre compte des malheurs nuls et pas d'accord avec un décret sanguinaire avec 4 identifications nationales uniques. Camille Oxius qui dit en faveur de pour citoyens capables de gagner 4 qui est unique, qualifié toutefois comme démagogique. Décision président Jovenel Moïse, les délivrés tout en pile irrégularité en décret ça. Camille Oxius, de la micro-léon. Au Sénat, on a mené une bataille à deux niveaux, un niveau administratif et un niveau pénal. Dans le niveau administratif, c'était faire un plaidoyer auprès de l'exécutif là pour que vous déteniez la raison dans le souci pour annuler le contrat qui existait entre Dermalog et l'État haïtien, ce que vous n'avez pas fait. Tout d'un coup, au lieu de annuler le contrat, nous venons là, à côté, vous prenez, vous arrêtez. En dehors de ça, nous considérons comme irrégularité. Nous disons, l'idée pour nous, comme identification nationale unique, c'est bon, mais pas qu'à faire une démagogie. Ça pouvoir exécutif en faire là, donc, purement démagogique, nous perdons des conjonctures. Et nous gardons ensemble l'article qui l'a donné tout, même arrêter ça au point, et en contradiction avec ça au départ qui était officialisé Dermalog selon eux. Donc après ça nous-mêmes, nous très critiques envers lui par rapport à Jean, il prend arrêter. Et mais l'idée n'est pas mauvaise, c'est la façon utiliser pour faire là, c'est ça nous critiquons moyen. Premier article, il parlait de 4 identifications nationales uniques. Pendant ce temps, 4 Dermalog là, il parlait de 4 identifications nationales. C'est deux appellations différentes. Dans l'article 6, il parlait de lieu de mission qui supposait gagner dans 4 identifications nationales uniques là. Ça veut dire soit pour 4 qu'on y a là, soit on dit si c'est un bureau là ou faire. Il faut remettre lieu d'émission, il faut mettre la lune. Pendant ce temps, la carte Dermalog blanc a gagné lieu d'émission. L'autre élément nous arrive enregistré encore, c'est gagné numéro d'identification nationale. C'est une union qui a été passée par exemple à ces listes. Mais qu'on y a là, il parlait de numéro d'identification unique. Là encore, c'est une anomalie parce que ça qui était dans le décret, il était prêt déjà, c'est pas lui-même qui est relevé. Dans le décret, il n'y a pas qu'on y a là. Je veux dire, si on voulait mettre en application le décret, ça j'en ai là, tout cas de malheur qui fait tout, tout doit annuler. C'est une anomalie, mais c'est un souci pour organiser l'élection. Ou même c'est une violence psychologique, une pression psychologique sur la population, il y a 180 jours. Si on ne nous pas fait 4 ans, si on joue nous, donc même si on est fonctionnaire, il est capable de lever 5% dans le revenu à rentrer. Pendant ce temps, même l'État qui a mis des pressions pour en faire 4 mois, même l'État a dit dans la période COVID-19, plus que 5 points par supposé gagner, non, il pas. Votre parole, le secteur qui dit démocratique et populaire, Michel André Papa, importance avec décret sur 4 identification nationale unique qui prévoit parmi l'autre sanction contre tout le monde qui a circulé 104 ans après expiration délai 120 jours qui est pour nous capable de gagner l'an. Et Michel André, Ténamico, Marie-André Bélanche. Je ne vais pas perdre du temps à parler de vieux décrets, Jovenel. Pour un chose, le combat est très cool, pas sous pouvoir. Mais bon, il faut y en avoir. Je ne vais pas perdre du temps à parler de vieux décrets, monsieur Brun, etc. C'est perdre de temps. On appelle ça en communication diversion. Parce que qui s'est parlé aujourd'hui, c'est fin mandat Jovenel Moïse pour 7 février 2021.
qui s'accapare parlé jeudi, hein? C'est comment pour nous préparer transition, hein? Pour conférence nationale la fête, pour la transition, hein, nous font nouvelle constitution, pour la transition, hein, nous commencer véritablement pour ce peuple caribé. Qu'est-ce qu'a parlé dans tout le pays, hein? Parole arrêtée, ça y est, décret, ça y est, c'est diversion pour faire nous suspendre, parler, parole d'a parlé, on a parlé l'autre parole. Bon, monsieur, mettre point 250 000 arrêtés, 250 000 décrets, qu'on va briser, on a pris tout d'abord de patate. Pas quitter, bagaille ça, prends attention, nous, on a parlé de vieux décrets, monsieur, viens arrêter la prendre pour ne pas préparer transition. Préparer transition en plaisir pour tout secteur continuer concertation, nous commencer depuis 300 ans. Par la transition en plein dit pour nous. Tiens là. Comme co-garçon, pour nous jouer cap binaio, nous relancer mobilisation, nous capter comme un seul homme, comme une seule femme, pour nous créer les conditions pour nous réussir la transition. Et ça qui est important. Notamment en consultation et avec qui est-ce qui secteur? Ah bien sûr, il y a une large concertation depuis plus de 3 semaines entre le secteur en large fonds patriotique, au fonds patriotique qui vient pour le politique, pour la société civile. Nous entendons pour nous gagner un accord sous gestion de transition. Hein. Nous entendons pour nous faire une transition en contenu pour que cette transition soit la dernière transition. Qui est-ce qui a participé dans la concertation? Puisque nous pouvons révéler non, yo, même capable de dire par aucun secteur important pays qui va dans la concertation. Qui c'est au niveau société civile, politique, au niveau paysan, groupe populaire, groupe femme et latrier, par aucun secteur important qui va dans la concertation. Après la concertation, ça, qui va la prochaine étape? Non, prochaine étape là. Population afghane, pour le connaître, qui peut être des mondes, qui qualité des mondes, qui engage. Non, prochaine étape là, population afghane pour le connaître, qui peut être des mondes, qui qualité des mondes, qui engagé ensemble pour mener le pays dans la transition à palais. Population afghane qui contenu transition, qui ça nous pourrait le faire dans la transition. Population afghane qui accorde nous font entre nous pour nous gérer la transition. Bref, c'est des étapes qui pourraient le franchir, mais pour le moment, je peux te le dire, la concertation se poursuit. Déclaration, maître Michel André, et puis magistrat Jacques Mellan, Maki Kessa, qui est délégué, alors qu'il a exprimé des accolis avec un décret Serge Sarr qui est à ouais, surtout avec 4 identifications nationales uniques. Détaillé avec Alex Moïse. Malgré correction, secrétaire d'État, communication et direction Alexis a annoncé qu'il va le porter dans le décret Serge 2020 qui est relatif à 4 identifications nationales. Là, réaction a déjà commencé à tomber beaucoup de quelques autorités de département sur les là. C'est qu'un magistrat principal, commune Jacques Mellan, Marquis Kessa, qui déjà montré clairement des accords à décret ça. Numéro 1, commune Jacques Mellan, qui croit inviter population à le faire pile devant bureau au nid pour faire 4 identifications, risque de provoquer une remontée pandémie coronavirus là, en aide à pays, pas tellement de population pour l'âge avec prudence. L'on demande des mounions pour rester à distance, pour le gain 4 lits, ou porter des mounions pour le faire, pour moi, il y a tout le monde les gain 4 jours pour ne pas arrêter dehors, mais il y a ça qui va briver. Demande des mounions pour prendre, plus précaution. Si 4 l'a fait ton premier fois, le pas bon, le fait ton deuxième fois, le pas bon, vous ne pas parler qu'on l'argent qui a gaspillé. L'argent, ça qui a gaspillé, quel que soit c'est ton cadeau, le pas mon cadeau gratuit. Et si le tabac sauté dans caisse l'État, c'est que c'est moi avant qui continue à payer. Quand toujours moi, il passé. Mais il faut que l'État chita au plus haut niveau pour que le problème qui est en haut niveau, yo, pas des seuls attaqués monde qui trouvaient au plus bas niveau. Magistrat Marquis Kessa qui rappelait chef d'État obligation à loi faire pour garantir bien-être et sécurité population, hein, mandé le catégorie national là pour le décider de proposer. Président, il faut le battre pour le battre en cours. L'État pourrait agir, il doit agir bien pour que l'investissement pas lieu durable, bien calculé, bien fondé, et pour sa fête, il faut que vous continuez, et pour sa fête, il faut que vous continuez choisir des hommes valable, capable, capacité, la toujours là, et ça fait nous demander mounio. Même si nous parlons vite, mais on nous allait bien, et si nous parlons mal, parlons bien. Chef municipalité, mais là, fait ensemble déclaration, ça y est, pour nous rencontrer avec la presse, matin, jeudi 18 juillet 2021, pour nous profiter à l'annonce de diverses personnes qui ont fait, qui visitent et projettent les villes là, Alex Moïse Jacques Mel, Vision 2000. Zami, tendez. Pour continuer par une bonne qualité de service dans